Dans son journal, Marc Aurèle écrivait: Qui vit en paix avec lui-même vit en paix avec l'univers. Quand est-ce que c'était? La dernière fois où tu as pris le temps d'observer le monde qui t'entoure? Où tu as pris le temps de contempler la nature? Où tu as pris le temps de réfléchir à la place que tu occupais dans l'univers? On fonctionne sur un mode par défaut où on est soit complètement obnubilé par nos tracas quotidiens. Je t'invite à faire cette expérience, balade-toi dans la rue, regarde un petit peu les gens autour de toi et tu verras à quel point tout le monde a l'air complètement accaparé par ses pensées, par ses petits problèmes personnels qui, soit dit entre nous, au regard de l'éternité, sont complètement insignifiants. Soit on se divertit justement pour s'anesthésier de cette angoisse sourde que l'on ressent au quotidien. Et à force de passer notre vie comme ça, beaucoup d'entre nous passent à côté de l'impact positif qu'on pourrait avoir sur le monde, sur les autres, et aussi de toutes les belles choses qu'on pourrait expérimenter pour nous-mêmes. Je pense que tu dois connaître la célèbre phrase d'Aristote qui disait « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue ». Et par examen, il entendait une vie où l'étude, ou la réflexion, ou l'éthique prenaient une place importante. Il n'y a pas d'examen de soi qui soit possible si on est constamment pris dans des réflexions sur notre futur, angoissé par ce qui va arriver, si on est en train de ressasser notre passé, ou si par exemple, le divertissement est le seul moyen que tu as de gérer tes émotions. Est-ce que c'est vraiment la vie que tu as envie de vivre que d'être constamment le jouet, l'esclave de pulsions qui viennent de l'extérieur, qui viennent te stimuler de l'extérieur? Je ne pense pas. Je pense qu'au contraire, tu veux une vie intentionnelle, une vie que tu as envie de construire pour toi-même, malgré tous les déterminismes. La première étape pour qu'il y ait examen de soi, c'est d'être en paix avec soi-même. Et il y a peu de philosophes qui nous tranquillisent plus que Marc Aurèle. Il y a énormément de choses géniales que je pourrais te dire sur ce philosophe, mais il y en a une en particulier dont j'aimerais te parler, mais que je garde pour un petit peu plus tard, parce qu'avant, je dois te planter le décor. D'abord, il y a une chose qu'on doit dire sur Marc Aurèle, qui est très importante, c'est que c'était pas un philosophe comme les autres. C'est pas un philosophe qui maniait la philosophie pour écrire des livres, pour faire des beaux discours, pour finalement faire le pan. Marc Aurèle, c'était, selon Hippolytène, qui était philosophe et historien français, sans doute l'âme la plus noble ayant jamais vécu. Faut que t'imagines Marc Aurèle comme étant le mariage entre le politique, d'un côté, et la philosophie de l'autre. Marc Aurèle était empereur de l'Empire romain. Il a été couronné en 161 après Jésus-Christ jusqu'à sa mort en 180 après Jésus-Christ. Et il a eu un règne dégueulasse. 19 années de règne, 19 années de guerre. En plus de ça, en 165 après Jésus-Christ, donc à peu près 4 ans après le début de son règne, la peste ravage les rues de Rome. Ernest Renan, qui a écrit une biographie de Marc Aurèle, je vous mettrai des ressources dans la description, nous dit « Il faut imaginer les rues de Rome jonchées de cadavres, des cadavres partout, des cadavres à perte de vue. » Sur le plan personnel, c'est pas joyeux non plus. Marc Aurèle, pendant sa vie, a perdu entre 7 et 8 enfants. Donc, vraiment, vraiment pas une vie que moi, en tout cas, j'aimerais vivre. Il a eu une vie vraiment difficile. Et certes, il était empereur de l'Empire romain, donc tu vas certainement me rétorquer qu'il a eu l'opulence, il a eu le faste, il a eu le monde qui s'inclinait devant lui lorsqu'il passait dans les rues. Mais en tout cas, sur le plan personnel et sur le plan de son règne, il a vraiment pas eu de chance. Et Marc Aurèle, donc, je te disais, c'est pas quelqu'un qui s'est amusé à être philosophe, qui jouait avec la philosophie. C'est quelqu'un qui a utilisé la philosophie pour pouvoir garder son cap dans l'adversité. Sa philosophie, c'est notamment ce qui lui a permis de garder une certaine humilité pendant son règne. Les historiens racontent que, à un moment, les caisses de l'Empire étaient vides, et donc pour pouvoir continuer à faire la guerre, pour pouvoir continuer à protéger ses concitoyens, il fallait renflouer les caisses. Donc il a vendu toutes les possessions précieuses de l'Empire, toutes les statues, tous les vases, même les bijoux de sa femme, ce qui n'a certainement pas dû être la chose la plus simple à faire, pour pouvoir continuer à protéger ses concitoyens. L'humilité, la philosophie, la tempérance, le courage, tout ça, c'est des choses que Marc Aurèle a cultivées grâce à son journal.
le journal de Marc Aurèle, c'est pas juste un traité de philosophie classique. C'est un outil qui a permis à Marc Aurèle de faire une application existentielle de sa morale. Et ce qui est superbe dans son œuvre, c'est que même si on n'aura jamais la vie de Marc Aurèle, même si la plupart d'entre nous n'auront pas une vie aussi difficile que lui, que ses écrits, que cet écrit, les pensées de Marc Aurèle, fassent toujours écho en nous 2000 ans plus tard. Ce qui frappe lorsqu'on lit Marc Aurèle, c'est la proximité avec laquelle il nous parle. L'une des grandes idées de la philosophie stoïcienne, c'est que nous faisons partie d'un grand tout, où nous avons un rôle à jouer en tant qu'espèce. Les araignées, les oiseaux, les êtres humains ont un rôle différent à jouer sur cette terre, mais aussi un rôle à jouer en tant qu'individu dans la société, parce que nous sommes tous interconnectés. L'idée derrière tout ça, c'est que ce que tu fais dans ta vie a un impact sur la mienne, que tu le veuilles ou non. Et tu as la responsabilité de choisir si cet impact sera positif ou pas, à travers ton éthique. Je te donne un exemple très simple de ce que je raconte, un exemple personnel. Je vais pas te cacher que j'ai failli t'abandonner. J'ai failli arrêter cette chaîne YouTube. Pourquoi ? Parce que mes vidéos étaient vues à chaque fois par entre 50 et 100 personnes, parce que j'avais beaucoup de mal à trouver d'écho à mes idées auprès d'une audience. Et donc j'ai décidé d'arrêter, je me suis dit à quoi bon finalement. Et puis un ou deux mois après avoir arrêté, il y a une vidéo qui a commencé à s'envoler. Ça s'appelle « Comment vivre puisqu'il faut mourir ». Et suite à cet envol, modeste hein, bien sûr, hein, c'est pas une vidéo qui a tapé dans les millions de vues, mais pour moi c'était déjà beaucoup de vues par rapport à ce que je faisais habituellement, il y a eu pas mal de gens qui m'ont contacté par mail ou sur Instagram en me disant « Merci beaucoup pour ton travail, ça m'a beaucoup aidé à sortir d'une passe difficile. » Et là, je me suis rendu compte de mon rôle en tant qu'être humain, de mon rôle en tant que créateur de contenu sur cette plateforme. Et finalement, même si mes vidéos ne peuvent aider qu'une seule personne, je me suis dit « Est-ce qu'il n'est pas de mon devoir de ne pas abandonner cette personne ?» Voilà le principe fondamental de notre interconnexion. C'est moi, en étant régulier sur cette plateforme et en publiant des vidéos régulièrement, je peux aider 1, 5, 10 personnes à sortir d'une passe difficile. Et ça, pour moi, c'est déjà beaucoup. Maintenant, je ne vais pas te faire la liste de toutes les choses géniales que tu vas découvrir dans les pensées de Marc Aurèle. Je te laisse te plonger dans la lecture, je mettrai des ressources en description. Je pense même que Marc Aurèle et ses pensées sont tombées dans le domaine public, donc on doit pouvoir te trouver un petit lien gratuit pour que tu puisses les avoir constamment avec toi. Mais il y a deux choses que je peux te dire sur lui. La première, c'est qu'il a un profond effet thérapeutique, c'est-à-dire que tu trouveras des réponses à absolument tous les problèmes que tu rencontres dans l'existence dans les pensées de Marc Aurèle. Donc c'est vraiment un livre que tu gardes tout au long de ta vie et que tu lis et auquel tu reviens en permanence. Et la deuxième chose que je peux te dire sur lui, et c'est sans doute la chose la plus importante et qu'on ne dit pas assez sur Marc Aurèle, c'est qu'il nous apprend à faire une chose, ou en tout cas à cultiver une compétence qui est primordiale si on veut s'épanouir en tant qu'être humain. L'art de converser avec soi-même. Et si on apprenait à avoir une meilleure conversation avec nous-mêmes ? Et si on apprenait, comme Marc Aurèle, à sculpter notre dialogue intérieur pour qu'il ne nourrisse pas notre anxiété, mais nous permette de nous propulser vers l'avant, en toutes circonstances. Et si on apprenait à reformuler les événements pour mieux les digérer, pour mieux les intégrer dans notre vie. Parce qu'on ne va pas se mentir, entre nous, on sait très bien que ton dialogue intérieur n'est pas toujours positif, n'est pas toujours à ton avantage, ce n'est pas toujours une histoire joyeuse que tu te racontes. Et si on apprenait à mieux converser, à mieux dialoguer avec nous-mêmes, est-ce que tu ne crois pas qu'on aurait une vie plus heureuse ? Moi, je pense que si. Je pense que vivre en paix avec soi-même, ce n'est pas un donné de la vie. Ça se travaille. Mais ça se travaille uniquement si tu as envie d'être un tout petit peu plus heureux. Prends conscience que, quand même, le dialogue que tu as avec toi-même est important. Et s'il y a une chose que je peux te dire, c'est
N'attends pas d'être malheureux pour te tourner vers la philosophie. Je peux tout à fait comprendre que t'aies pas envie de te lancer dans l'écriture d'un journal, par exemple, qui, à mon avis, te serait très bénéfique, mais tu n'as peut-être pas le temps pour l'instant. Mais en tout cas, tu peux déjà te lancer dans la lecture des pensées qui ont aidé un homme à se gouverner lui-même, à gouverner un empire aussi. Et tu peux te dire à la lecture de Marc Aurèle que ce qui a marché pour lui marchera peut-être aussi pour toi. Rappelle-toi, au début de la vidéo, je te disais, ce qui marque chez Marc Aurèle, c'est la proximité avec laquelle il nous parle. Ce qui marque chez Marc Aurèle, c'est l'écho qu'il fait en nous 2 millénaires plus tard. Et la raison qu'il y a à cet écho qu'il provoque en nous, c'est que nous sommes liés à lui via notre commune humanité. Et donc, ce qui a marché pour lui, dans ses conditions de vie très difficiles, malgré la gloire, etc., marchera peut-être pour nous, face aux problèmes, face aux souffrances que l'on vit actuellement dans notre existence, en tant qu'être humain, au XXIe siècle. En tout cas, je serais très curieux de savoir si vous connaissiez les pensées de Marc Aurèle, si vous l'avez déjà lu, si vous a aidé d'ailleurs à certains moments de votre existence, à surmonter des difficultés, si vous a aidé pendant le deuil, si vous a aidé à ne pas succomber à vos pulsions, à vos tentations, à être un individu un tout petit peu plus droit que vous auriez été sans la lecture de cet admirable petit recueil. N'hésitez pas à nous le dire en commentaire. S'il y a aussi des maximes que vous aimez particulièrement chez Marc Aurèle, n'hésitez pas à nous en parler. Je pense que ça pourra beaucoup aider les gens qui ne le connaissent pas à se rendre compte à quel point il peut être utile pour chacun d'entre nous. Enfin, si le stoïcisme est un thème qui vous intéresse et que vous aimeriez voir revenir régulièrement dans ces vidéos, n'hésitez pas à me le dire aussi. Je pense que j'ai encore beaucoup de choses à vous partager et ce sera avec plaisir, encore une fois. En tout cas, je voulais vous dire que ça me fait un grand plaisir d'être venu sur YouTube et jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur et surtout, prenez bien soin de vous et de tous ceux que vous aimez. À très vite.